Et donc bonjour tout le monde, c'était Pseudo, et comme vous avez pu voir, ça y est, on a terminé. Donc on était au jour 16 Signor. Et du coup, c'est gagné. Bon, il y a eu quelques petits échanges de pseudo, mais bon, pense pas que je vais aller suivre le casting. J'aime bien y aller au, comment ça s'appelle, un aléatoire, mais que j'aime bien commander un des vaisseaux type PVE. On a un petit discours de Stéphane. Et évidemment, on a aussi mon petit truc. Donc qu'est-ce qui se passe en gros? Donc on a notre fin. Après toutes ces errances, enfin vie de Cap vers Eden, mais la suite c'est une autre histoire. On a notre nombre de triomphes. On peut laisser un petit bout. Et tiens, c'est marrant. Ça dit qu'on est rentré sur Son, mais on a mis de Cap vers Eden. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref, on a l'historique de triomphe. Donc là, c'est tous les jours, enfin tous les cycles, on a survécu. Ça, c'est parce que j'ai battu des Hunters. Bon, ça, c'est la recherche. Gagné lorsque la recherche est terminée, ainsi qu'une seconde fois lors des retours sur Son. Alors là, je suis pas exactement sûr de savoir ce que c'est. Alors soit c'est parce que j'ai terminé une recherche et que là ça ne compte deux fois, soit c'est parce que tout simplement il y a eu de, comment ça s'appelle, c'est une sérum. Recherche mineure lorsque la recherche est terminée. Ah, ça, je suppose que c'est justement toutes les recherches et toutes les relais en fait qui ont été faits. 9 nouvelles planètes. À chaque... Ah non, d'accord, non, ça doit être les recherches en général qui ont été faites. Les nouvelles planètes, toutes les planètes qui ont été détectées. Purée, on a fait 9 expéditions. Bah, comme quoi. Bah, comme quoi, en 7 jours, on croyait qu'on en avait fait plus. Contact avec Son, Dalamna, Pingred, bref, on a un peu tout le machin, notamment de vers de Nouvelle Eden, et on a ici un récapitulatif là, c'est des cycles, donc vous pouvez voir que certains sont morts assez vite, notamment Jetsu, qui lui en fait c'était un bûche qui a pris Anonymous. Bah, le cycle 2, du coup, ça a été une catastrophe pour lui. Bien sûr. Ah oui, on a aussi fini par Zugueyan parce qu'en fait, c'est un farmer d'XP, c'est-à-dire que il était là, il mangeait, puis après, il restait planté au labo, sans rien faire. Donc, du coup, on laisse pas ces gens-là vivants. Bon, Frieda qui était inactive, malheureusement, famine. Paona, on l'avait tuée parce qu'elle était inactive, enfin, elle n'était pas assez active, malheureusement. Du coup, il y a eu la décision de la zigouiller pour, comment dire, avoir réussi à la place, qui, elle, par contre, nous a fait un très bon travail au niveau de la com. Bon, du coup. Très bon équipage. Avec une mort rapide des bûches qui nous a permis d'atteindre Eden et de atteindre Eden à découvrir pour la première fois. Ainsi, pour la première fois en 15 jours, car oui, très bon équipage actif et réactif. Voilà. Un message assez générique, je ne conçois. Mais bon. Du coup, je valide et je continue.
Est-ce que le système ordonné, c'est ça? Oui. Et après, je vais vous montrer dans ma fiche le récapitulatif total. Donc là, on a mon personnage, le nombre de jours, l'exploration, blablabla. Ah bah, il y avait quand même 15... Ah oui, bah, on a exploré plusieurs fois les planètes, enfin, les zones, donc c'est normal. Des recherches, régénérons, blablabla. D'ailleurs, pour les recherches, en dernière minute, grâce à moi et Andy, on a pu, comment dire, faire le système de reproduction mûche et puis le brouillard méridien. Comme ça, on a gratté quelques points de triomphe. C'était sympathique. Du coup, est-ce qu'on avait un mûche qui était en plus? Eh ben non, on les avait effectivement bien tous eus. Bah parfait. C'était plus fort que moi, impossible d'attendre le sérum, il me grignotait de l'intérieur, il disait agir quand il est né. Rien de plus d'un an, pas facile d'arriver en but dans un métier que peu joué. Ah bah ça oui effectivement. Surtout que Guren en fait, il a des avantages, c'est que c'est un peu neuf à tout faire. Vu qu'il n'a pas vraiment de compétences précises. Par exemple pour la recherche, pour les machins, pour les projets, etc. Et il utilise énormément de café. Du coup, le problème quand tu es un mûche Yoen, c'est que bah, les personnes peuvent voir que... Ah, Janice avait été enlevée. Ah, bah tiens, c'était pas de chance. Ah bah merde. Bref. C'est que du coup, comme tu ne gagnes pas de PA en buvant du café, ça peut être une chose qui peut te trahir, surtout quand le pingrel a été fait. Mais quand le pingrel a été fait, en général, tu trouves un plan pour utiliser le bidouilleur pour rentrer. Enfin, Niden en Amda, merci à tous. Nanamna. Là, vous pouvez voir que dans certains, c'est vide. Ça peut vouloir dire que. Comment dire, bon, pour eux, pour Janice et Freda, bon, c'est qu'ils ont tout simplement fait valider, etc. Mais par exemple, pour Derek, peut-être que il n'est pas encore connecté et qu'il n'a pas encore mis de message. Donc, bon. Que de belles aventures on est passé par là, chaque jour, blablabla, que je n'ai plus joué avec l'événement normatif, je me suis dit que j'allais y rejouer, blablabla. Des moteurs possessifs. Ah, c'était beau, c'est quand il y avait eu des décharges électriques. Dans le, quand ça s'appelle Don Pingred, ça c'était vous. Le Don vous salue. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas les pseudos. Ah oui, c'est marrant ça. Bon, après là, c'était un peu compliqué. Enfin, on aurait pu essayer, mais on aurait peut-être eu des morts donc. Comme on voulait, comment dire. Ah, ça fait du bien de voir ça et ça. Mais comme on voulait assurer la, comment dire, la survie des gens, on a choisi une genre 16. Bref, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Intéressant.